Ils arrivent par le trivage sans Xayarakan avec un Skarner niveau 2. C'est bien vu, c'est très 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 bien vu. Bienvenue en Océanie. Alors on fait quoi maintenant? Zeknot, Snowflower, on essaye de gaiter un petit peu et je pense qu'il se rend simplement Zeknot. Il y aura un First Blood ici pour les Dire Wolves. 1-0 donc, petit cheese qui passe sur GBM. Donc pour le coup, belle opération de Valtus pour l'équipe japonaise qui... Ah, okay. Run. Intresso de nouveau face à Tia Wolf, mais il a toujours l'avantage d'un niveau de plus, hein, Tia Wolf. Par contre, Intresso, il joue dans le cristal. Maintenant, Tia Wolf qui joue qu'au maximum, qui finira par tomber. Ça commence vraiment à partir totalement en vrille. Noir Fripp qui prend le coup, qui prend le coup, va se gaver va tomber également. Il va se gaver la transfusion en deux, la transfusion. Oh, et mais c'est Sloan ou encore l'homme de toutes les cages dans cette rencontre. Star, en toute surprise, qui sort ici alors. Laning Phase, Teamfight. C'est un pick qui n'est pas du tout plébiscité en non. ce moment dans aucune des régions. Bah là honnêtement la stratégie avec une Kalista à 40 secondes justement avant que la game se lance, ça serait de dodge. On trouve le stun, la fissure glaciale pour empêcher Tier 2 de mettre son pied. Pestelowski forcément contre la mission, pas le malin. Flash de Davis. Incroyablement fort. Et tu as raison, Noah, c'est bien un smite pour GBM et c'est une veille. Bonjour. Oh, oh, ça c'est du stun. Le niveau 1, c'est la rame. C'est la rame tout de suite, mais c'est un brome. C'est un brome au niveau 1. Personne n'affronte un brome au niveau 1. C'est suicidé à Gang by Mom, le flash out. Oh, ce flou. Il attend encore beaucoup la GBM. Ah, il y va, c'est le moment GBM. Les mots plagues avec engagement Snowflower. Le multi, s'il est très bien respecté, les dégâts sont colossaux. Est-ce qu'il va mourir? Par contre, GBM, non, la régénération, le soin sur les minions peut-être. Non, il n'avait pas la transfusion. Oh, ah, mon dieu, le monsieur. Il a mis à côté. Ah, oh, mais il a essayé de toucher un joueur. Et... Là, j'ai pas fail. Là. Là, c'est toi qui là, c'est fail. Toi. Et là, je sais pas pourquoi tu dive. Je sais pas pourquoi tu poses ce wall. Je sais pas, on devait pas aller top lane. On devait aller mid. On devait aller contester le baron. Et toi, tu me dis, oui, je vais mid. Il me faut mon statique. Il me faut mon rapide faire canon. Mais moi, je te dis, il est là, mon power spike. Ça fait deux fois. Ça fait trois fois. Quatre fois même. Et finalement, on perd comme ça alors que moi, j'ai gagné mon match-up. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Et ça fait une fois. Et ça fait deux fois aussi. Ouais, énorme, énorme comme victoire. Je suis dégoûté. Oh la TP. Oh c'est la TP de Chippy. C'est la TP de Chippy qui arrive par derrière. Est-ce qu'on pourra tuer peut-être cette Morgana? Est-ce qu'elle va survivre Morgana? Oh oui. Et non, on cancelle le bac. Et on ramène tous les potes sur Kid. Vraiment c'est cool hein. Franchement sympa de jouer avec vous les gars. On désengage et on va tomber directement du côté de Trundle. On a plus de smite disponible. J'ai fort qui a fait un flash heal et qui s'est donné complètement Kira. Qui essaie de trouver des dégâts. Le Nashor qui aide pas forcément les gambits. Mais les dégâts sont bons de la part de Lodic. On se replace avec un ultimate et on kite. On essaye de trouver les dégâts sur le Mao. Est-ce que ça passera? Non, ça ne passera pas. Les seuls Lodic supplémentaire. Pas sur le game. L'arrivée de PP Stéjas. C'est un ulti là. Oh, PP Stéjas Lodic. Lodic. Et derrière c'est PVP Stéjas. Supplé son carré à